Cependant, idéologiquement, comment peut-on organiser l'islam de l'Occident? D'abord, en ce qui concerne un islam de l'Occident, cette idée est juste et correcte. Car chaque pays musulman a un islam à son goût, avec sa culture et sa civilisation. L'islam de l'Arabie Saoudite est différent de l'islam de la Turquie, qui est différent de celui de l'Algérie, de l'Égypte, de l'Iran, le Pakistan et la Malaisie. Si toutes ces variations du modèle islamique n'existaient pas, on devait avoir un seul islam uni dans tous les pays musulmans, ce qui n'est pas le cas actuellement. Pour l'Occident, cet islam est représenté par les musulmans qui ont choisi de vivre ici, en sachant que la France est un pays laïque et républicain, seul pays laïque dans sa constitution en Europe. Alors, le respect de la laïcité et des lois républicaines doivent être un devoir pour tous les musulmans ordonnés et incités par leurs chefs. Ils doivent prendre l'engagement des chefs pour le respect de la laïcité française, et cela facilitera beaucoup de choses.